des bugs qui faisaient crash le jeu. Donc ça c'est cool. Et let's go, buddy. Ouh, ça super et toi comment ça va? À part que Papyrus est un dumbass, ça va super. Écoute, on est dans un château et on fait des trucs. Genre c'est epic gaming moment. En plus j'ai fixé le un mode sur ce jeu qui buguait. Je suis content. Genre c'est moi-même qui l'ai fixé, c'est pas le gars qui l'a créé parce qu'il branle rien le gars qui l'a créé. Moi je l'ai fixé. Like a pro. Ah, le son est peut-être un peu fort, non? Chat, est-ce que le son est fort? Est-ce que vous trouvez que le son est trop fort et que je devrais le baisser peut-être? Je sais pas ce que vous en pensez. Yo Nadir, on up. Un peu, ouais. Ouais, on est un peu d'accord, ouais. Oh, attendez. Bon, on peut partir. Comment on part? Bon, attends, je vais redémarrer le jeu. C'est plus simple. Je crois que les paramètres de source sont reset à zéro. Donc, attendez. Baba boy. L'écran touche pas les gars, les Mao. Oh, c'est qui vient de se mettre là? Oh! Bon, on va se calmer, hein! Oh, oh, oh! Bordel de merde! Bordel de merde! Pog, dis-moi incroyable. Merci pour ton resub, solo, épique. Oui, l'écran, mais il a toujours été comme ça en fait. Il n'y a jamais eu de bordure sur cet écran en fait. Pas te mentir, dude. Genre. Si je mets. Ah, ok. Y a pas de plus grand écran, c'est le max. Tu peux pas. En fait, là, il est en plein écran, si tu veux. C'est juste que le jeu, il est comme ça. Do you know why? Bah tiens. Oh, j'ai de Mori. Ok, je regarde pas le live, sorry, mais je garde un live sur Twitch. Ok. Pour le bug, je les fixe moi-même, Nadia. J'ai messé avec les files, j'ai trouvé le problème et j'ai fixe. On va y avoir plus de problème. Oh, j'ai oublié de changer le son. Non, ça va le faire comme ça. Yeah. Oui, c'est normal. Le jeu de base est comme ça. Il y a toujours eu des bordures. Ça se remarque pas vraiment quand tu joues en fait. Enfin, si, un peu, mais... Ça va, ouais. Ok. Alors, du coup, la dernière fois, on avait PETA... De connards. Et il faut qu'on PETA les troisièmes connards, I guess. Alors, je sais pas où ils sont, par contre. Ça fait longtemps. J'imagine qu'on peut aller vers là, I guess. Je crois pas être venu par là. Ah. Quoi, on peut pas rentrer dans le mur? That's such a bad game. Bad design. Ok, donc y'a rien ici. On peut pas sortir, ok. Je crois pas être allé à gauche, ici à gauche. Ok. Ah si. Salut! C'est là où y'a le bad. Batman. Je vérifie, mais je crois que c'est là où il y a le Batman. Oui, c'est là où il y a le Batman. Wait, what? Nouvelle trappe. Ah non. Ok. The basement. Oh non, il y avait Gaster. Non, chat, on doit partir, chat. Il y a Gaster, il va nous manger. Ah. Ok, alors je sais pas trop où il faut aller. Where I need to fucking go. Anyway. Oh non, j'ai déjà fait toutes les pièces. Non. On va juste les péter, I guess. Son of hell.
Sonohair. Sonohair ou ne Sonohair. Non, il a pris des dégâts. Hey. Kid no hey. Yo, hey, chill dude. Gangnam Style. Oupa Gangnam Style. Gangnam Style. Sexy lady. Oupa Gangnam Style. Hey. Sexy lady. Hey. Smoothie à la banana? No way. Ok, je peux vérifier. Non, je t'ai vu. Ok, il faut que je trouve l'endroit où je suis pas allé, I guess. Alors. I suppose. Ah! Dans le ding, dans l'ignotcha! Je bats dans Indonesia. Dans le son, hey. Merci démon pour financer la récompense communautaire. Waouh, épique. Son, hey. Et là tu perds, no way. Hey. Salut. Hey. Hey! Hey! Gangnam Style! Oupa Gangnam Style! Gangnam Style! Sexy lady! Cette musique me fait vibes! Gnocha. Oh. It's ended. T'as même il du coup qui t'aide là nous. Healing time. Hey, what's up? On a des notifs. Oh non, j'ai des notifs Twitter. Non. Je me suis fait cancel. Non. New thread on Twitter. No. Get canceled on Twittos. Attendez, je vais peut-être aller à droite parce que je me dis, il y a peut-être des trucs à droite que j'ai pas fini. Je sais que j'ai fait la cuisine. Ah non, c'est juste la cuisine, ok, non. Mais il reste quoi? Là, c'est bizarre, c'est un cul-de-sac. Ils disent stressus, c'est un cul-de-sac. C'est vraiment un cul-de-sac. Oh, wait, non, je crois que c'est un cul-de-sac, mais pas du tout. Ah, mais j'ai fini ça. J'ai besoin de faire un nom pour que... Non, ok, d'accord. Non, j'ai fait. Ok. C'est la même porte, on est d'accord. Oui. Yeah. La musique est stylée, on dirait un truc à la professeur Layton. Bienvenue dans le l'étrange village. Une période d'enfant, vas-y go. Génial. Nice gameplay, man. Ok.
qu'est-ce qui manque? Attends, je vais retourner à gauche. Peut-être que j'ai raté quelque chose à gauche. Ouais, il y avait l'art, ce truc d'art, mais il n'y a rien ici. Nope, il n'y a rien. Mais où est-ce que je dois aller? Ouais, il y a une grotte qui flotte au-dessus du vide. Parle au PNJ. Mais... quel PNJ? La plupart veulent m'agresser si je leur parle. Donc je suis bof chaud. J'avoue que je sais pas trop en fait ce que je suis censé faire concrètement. À part wander around. Ouais, tu peux aller ici. Ouais, tu peux étoiler ici. The best song ever? No fucking way! Let's go! Eh bien, c'est bizarre! I try so hard! Et après, elle est vénère, le. Le mec est dans l'ascenseur. En même temps, bro, si. Tu peux vibe toute ta vie sur la meilleure musique ever. Pourquoi tu le ferais pas, tu vois? Gâteau. Let's go back. Yo! Des barquettes de confiture. C'est stylé. Welcome in the forest. Ok. Une petite musique. Bon, c'est très léger. Ok. Le télécake. Welcome to the télécake. Ah, il est dans sa chambre. Ouh, on peut dormir. Un lit rose, d'accord. Oui. Oh, c'est un boss battle. Un traversant. What the fuck is un traversant? Qu'est-ce que c'est un item? Ok, j'ai juste vérifié un peu tout le monde. Oh! Oh, dude, no way! Ouais, c'est quoi un traversant en fait? Grandeur nature et cannibale, mais suspicieux. Non! Ah, non! C'est un body truc! Non! GG le Nid, 54. Non, dude, c'est un body pillow. Fuck off. Look suspect, ouais, clairement, ouais. Je vais vérifier pour le. Les autres items, je crois, tu vois. Je sais pas pourquoi il t'a donné ça, je sais pas, dude. C'est possible ça. Ok. On est good. Ok. Salut. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Non, qu'est-ce que vous faites là? Les topous ordinaires ne sont pas autorisés dans les chambres de choupette. Vous connaissez les règles? Ah. Attendez une minute. Peut-être que vous êtes capable de m'aider. Choupette m'a ordonné de déplacer cette statue hors de sa chambre avant qu'elle ne revienne, mais je n'arrive pas à faire bouger du tout. Seulement ce truc se faisait soudainement et commodément réduire en tout petits morceaux. Eh ben, madame, j'ai bien l'impression que vous avez besoin de destruction. Et Aubry, ici présente, est une spécialiste de la destruction. Aubry? Ma foi, c'est un nom bien étrange pour une topus. Mais bon, Choupette commence à être à sec de nouveaux noms à donner. Attends, quelle? C'est pas une statue de capitaine spatial? Je me sentirais mal de la détruire. Psst! C'est pas comme s'il allait le savoir un jour. Capitaine spatial et Choupette, c'est du passé.
Vivre et laisser vivre, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis pas tout le temps ça. Mais d'accord, j'imagine que je peux essayer. Let's go. Hey yo, le dragon soviétique, what up? Ah bah, bonjour. Ok, j'arrive. Cette fois, je n'échouerai pas. Oh, la vénère. Ma parole! Tu l'as fait! Eh bien, c'est l'heure de nettoyer ça. Ok. Nice. Pfiou, vous êtes de vrais sauveurs. J'aurais dû laisser cette tâche à des spécialistes. Je trouve ça drôle parce... Oh! Oh, d'accord. Genre, vraiment, c'est une interaction gratuite qui n'a aucun impact sur rien. À part qu'il y a une statue, mais je trouve ça drôle. Mon dieu, eh bien c'est une surprise. Vrai que tout ce que j'avais à faire, c'était de soulever par le bas. Vraiment, tu vois, genre, littéralement, y a rien à y gagner, tu vois. Mais c'était une interaction rigolote. Une perle, à quoi ça sert? Pourquoi ça sert à la perle? Joli calcium du dent, joli. D'accord. Ça se voit. Poésie par Choupette. D'accord. Et what? Ah, un jour! Et quel jour fût-ce? Quel jour merveilleux! D'accord, génial. Épique. Epic gaming moment. Yo, pastaco! Une théière! Oh, attends, attends. A pris l'heure du thé? No way! No way, dude! Ah ouais, non mais la terre elle est pas rentable en fait. Bah non en fait, ouais mais non en fait. Genre ok, t'as plus de jus. Oh si, t'as plus de jus. Mais t'as moins de cœur. Et moins d'attaque, un peu moins d'attaque, mais moins de cœur. Jus. En vrai le jus. En vrai le jus, dude. Ok, moins de cœur, mais le jus, man. Vas-y, je mets les... juste pour le jus. Parce qu'au fond, c'est le healer de la team, donc à un moment... Le jus. Ouais, du coup, what? Mon dieu, eh bien, c'est une surprise, on dirait que... D'accord, ok. Vous avez rien à gagner en venant ici? Sérieusement? D'accord, je suis à nouveau perdu, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bon, bah, en bac, hein. Oh! Hey? Mais c'est bizarre! Bien, c'est bizarre. D'accord, de nouveau, le personne... Meilleure musique d'ascenseur, by the way, hein, honnêtement. Mettez ça dans n'importe quel ascenseur. Et du coup, si j'y retourne... Dude! À chaque fois, ça change. Ah non. Fini. Oh non! Nacha. In the nacha. Da da sana hey. Sana hey. Un sana hey. Gundam Star. Demonite avec son épée. Enfin, c'est Demonite, mais ok. I get what you say, man. Opa Gundam Star. Tu ne pas... Oh.
Cha-cha. Han Solo. Son Air. Ok, let's go. En vrai, ça te donne masse de d'XP, hein. On va pas se mentir. Ok, donc bilan. Oh, si, ok. Arrêtez-vous, imposteur. Je sais que ce que vous êtes, et vous n'êtes pas des topous. Vous devez vous demander comment je suis capable de dire ça. Vous voyez, je suis le fils du mythique guerrier de légende, Sir Maximus II, et petit-fils de Sir Maximus. Vous avez peut-être surpassé mon père, et mon grand-père, mais cela n'a fait que mourir, nourrir ma rage et ma soif de vengeance. Avec ma lignée impressionnante, et mon père et mon grand-père à mes côtés, je serai victorieux et vengerai ma famille. Let's go. Demi-boss, encore une fois. Ok. Pas poème triste, I guess. Contracté. Et toi, tu vas juste faire l'heure du goûter, I guess. Toby Fox Xomori, let's go! Taille tank. Ok. Poignarder. Toi, il faudrait que tu l'encourages, comme ça il pleure plus, parce que c'est relou quand il pleure. Toi, tu peux attaquer. Tu peux l'attaquer aussi. Yo, ça fait mal. Is that Undertale? No way, dude. Is that Undyne from Undertale? Hey. C'est l'heure du goûter. Oh, 148, dame. Non, Kael, man. Kael become bread. Les amis gris, c'est bon, calme. Non, non, il faut pas que je fasse avec lui. Ok. Toi, tu vas. Ok, c'est ok, c'est ok. Ok. Ah, tout ça fait partie. What the fuck? Weird. Ok.
Je sais pas ce que t'as foutu, mais... To be honest... Non, t'avais pas raison. C'est pas un bug. Quoi qu'il soit passé, il y a eu un... T'as juste mis un truc glios. Genre, t'étais vraiment sauvé pour une raison ou une autre. C'était pas un bug, non. Tu es un dumbass, t'as fait un truc débile. Let's go. Non, je peux pas laisser la mort de mon père et de son père être vaine. Oh shit. Oh my god, man. Père, grand-père, je suis désolé, j'ai échoué. Oh. Attends. Quel il prend toujours cher. Pas se mentir, pauvre Kel. Du coup, pas d'XP pour Kel vu qu'il est mort. Oh, bâtard. Ok. Hey, c'est juste moi ou ça a l'air plus calme tout d'un coup? Il y avait pas une foule de topous à l'entrée tout à l'heure? Je les vois nulle part. Elles ont dû finalement se frayer un chemin jusqu'à l'extérieur. Suivons-les, Omori. Peut-être qu'elles peuvent nous conduire hors d'ici. Let's go. Ouais, d'abord. Je sais pas à quel point il y a une save dehors ou je sais pas quoi. Moi je me heal d'abord. Because I'm not crazy, man. Not crazy, dude. Just want to heal. Badabapa. Nice. Tu es dans les vents. J'ai vent. Chat! Gregory, you need to vent. Oh, Twitch a compté 6 mois de sub alors que j'ai payé que 5 mois. Message d'alerte, du coup. C'était un message pour fêter les 6 mois, mais j'ai pas payé. Bah, du coup, le message d'alerte, tu l'avais pas mis pour ton dernier sub que t'as payé. Et donc, il était encore actif et t'as pu le mettre, c'est tout. Donc, t'étais sub hier. Tu t'es pas sub hier, mais t'étais sub hier. C'est tout, parce que le message, tu peux le mettre quand tu veux. Donc, c'est pas un bug. What the fuck happening? Let's go! Youhou, on est enfin sorti du château de Choupette! Je me demande ce qui se trame avec ce grand événement que tout le monde prépare. Bizarre, je vois les topous de l'entrée nulle part. Où est-ce qu'elles sont passées? Il doit y avoir une sortie secrète quelque part. Fouillons dans les parages et fouillons ce qui a l'air suspect. Ok. Ok. DK. Donkey Kong. Le truc à sniper ici? C'est bien ça, Sibaka, merde. La musique fait vraiment. Pokémon Donjon Mystère. Yo. The fuck. Todd. Todd. Toi, le bulbeux. Tes yeux, ils me disent que tu as soif d'apprendre. Excellent. Je vais t'apprendre. Bien. Un bulbe. Tu peux entendre quelque chose se débattre à terre. Ok. Tu n'as pas la même intercelle dans les yeux que le bulbe. C'est ça qui je dispenserai mon enseignement. D'accord, ok. Tu es venu. Excellent.
Maintenant, observe. Les bulbes comme celui-ci derrière moi retiennent des créatures comme moi. Cependant, nous ne sommes pas capables de nous échapper par nos propres moyens. Avec une technique de coupe très spécifique et complexe, on serait capable de nous libérer de notre destin bourgeonneux. Cependant, il faut passer des années, peut-être même des décennies, pour parfaire cette technique. Si tu es d'accord pour l'apprendre, on ne sait pas combien de temps cela va prendre. Pourtant, avec du temps, je crois que tu pourrais faire de grandes choses. Es-tu prêt à relever le défi de devenir mon disciple? Oui. Maman reste entraîné pendant longtemps. Excellent! 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 Tu as tellement grandi! Contrairement à ce bulbe derrière moi! Maintenant coupe-le en utilisant la technique parfaite pour qu'il prenne vie! Le mode montage animé où genre, en fait, j'ai passé 2 ans sur l'île ici avec lui, mais ça a été cut. Enfin, je suis libre! Excellent! 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 Prends ça! C'est un cadeau de papa! Excellent! 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 Excellent. Wang. Ok. On se casse. D'accord, Papyrus, mais je m'en branle en fait. Le mal. Don't care. Yo, what? Waouh, ça fait mal! Est-ce que tout le monde va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Arg! Cette sculpture végétale de Choupette vient de nous tirer un laser. Il doit y avoir un moyen de se débarrasser de ces gars. Ok. Let's check this out. Ouch. Non, là aussi y'en a un. Mais c'est un bordel tout ça. J'attends qu'il se barre. Non mais en fait c'est bon Papyrus, j'en ai rien à branler au fond tu vois. Mais t'as un dumbass, c'est tout. T'as tu l'impression de Choupette projette une ombre déconcertante sur le jardin. What? Quel est le mot de passe? Magique, flamboyant, romantique, magnifique. Romantique. Et Planète, flamand, taupe, ananas. I will break some pipes. Flamand. Et mangeant, taille, inhalant, invoquant. Et putain, que y'a maintenant. Statue, tos, baleine, ascenseur. Statue. Romantique, flamand, taille, statue. Oh. Oh! Am I dead? No, I'm look okay. Oui. Ouais, attends, il y a pas de dialogue? Dialogue! Where are the dialogue, dude? Non, nos dialogues. Nos dialogues, allez, fuck off. Bon, j'ai pas le mot de passe. Ok, c'est génial. Wow. What the fuck? Oh! D'accord. Dude, c'est quoi ce truc à droite? Fesse de cheval! Fesse de cheval. Horse has! Son of hair! Son of hair! Gangnam Style with a horse, comme par hasard. Les fesses de cheval se pavanent. Die! Orsas.
Hey! Son hair. Goodbye horse. Goodbye. Oh, une meule de fromage. Trop bien. Épique. Ok, on peut pas descendre. Ok, bah c'est parti pour checker le labyrinthe de la mort. Oui, hein. Ok, on peut pas y accéder facilement. Oh, on peut. Oh! Ah non, on peut pas accéder. Shit. Yo, what? Oh, oh, oh! What the actual... What the bloody hell is that? Oui? Oui? Oh! Bunker? Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. OK, c'est parti. Yo, what? Bon bah, il one pet. Gangnam Style. Huh. Gangnam Style. Sexy lady. Oppa Gangnam Style. Sexy lady. Oh. Okay. Quand tu te gnocha tout ne pas. Non, in the nutcha. Son hair. Son hair. Ok. Seems alright. Hey, oh shit. Ok, ok, faut fuir, faut fuir. Chan, faut fuir. Par la droite. Go. Bah non, en fait. Quoi, non mais vraiment? I'm just fucked. What a shit game. Dude, c'est du troll. Vas-y, mais comment tu veux que je batte 16 trucs? Vas-y, ça casse les couilles. Non mais ils disparaissent un par un. Ouais, mais c'est dégueulasse. C'est même pas genre, ils se déplacent dans un truc, c'est vraiment du troll. Vas-y, qu'est-ce que c'est naze. Faut les battre. Bah ouais, Damas, mais je peux pas, connard, putain. Je crois que je peux faire quoi, là? Con. Possible. J'ai pas le level pour battre 16 trucs comme ça, gros. Dommage.
Je peux me stab? Je peux m'auto-stab et partir? What? Je savais pas qu'il y avait des compétences qu'on pouvait remplacer. Attends, je viens d'apprendre qu'on pouvait remplacer les compétences. Dame. Non. Ils m'ont pas laissé un choix logique. Leur choix, on est passé de... Les trucs étaient dedans et bougeaient aléatoirement. On les libère. Qu'est-ce qui m'indiquait qu'ils allaient venir m'agresser sexuellement et me bloquer sur le chemin, gros? Rien du tout. Non, c'est du troll, c'est tout. Dude, c'est du troll. Ils me foutent en situation de game over. C'est du troll, c'est dégueulasse. Bon, ça, je vais game over là-dessus, donc... fuck off. Merde, je vais pas fuir. Regarde, toi, je peux pas me poignarder. Les cheveux nids, ouais, c'est cancer, ouais. Cancer comme mécanique. Genre imagine j'aurais pas fait de save. En vrai, heureusement que j'ai fait de save avant hein, parce que imagine j'aurais pas fait de save. Non franchement c'est un connard de faire ça. Ouais dépêche. Les bâtards, bah c'est pas une bonne chose en fait. Je savais pas, mais ta gueule. Quoi? Mais c'est pas la question. C'est pas la question, c'est que c'est juste un truc de connard. Arrête de... T'es en train de défendre un truc en mode oh c'est, oui, c'est normal parce que c'est un truc de bâtard. Mais non, bah non, bah non de... Oh non merde, non non. Quel jeu de merde. Allez, c'est bon, je redémarre. Non, parce que je suis cancer, c'est tout. Y'a rien à défendre. Ouais, t'as quel papyrus, en fait. Putain. Vas-y, cancer, quand même. Et heureusement que j'ai fait de save, hein. Putain, heureusement que j'ai fait une save. J'ai perdu du temps. Imagine les gens qui ont pas fait de save. Imagine, ils ont battu le boss, ils sortent, ils tombent là-dessus. Ce qui est genre courant en fait. Ils acceptent parce qu'ils se disent, ok, je peux genre passer. Parce que moi, pour moi, j'allais ouvrir les portes, les autres avaient pas bougé, ils avaient continué de faire leur pattern de merde. Et j'aurais pu les ken, tu vois. Ouais, vas-y, karma. Merci Nadia, karma. Yo, okay, kakakodep. Non, tu vois, genre, non, c'est juste de la merde faire ça. Au moins, mets une save devant la porte, je sais pas. Non, parce que là, c'est juste cancer. Bah toi get fucked en fait. J'ai pas de vacances, tu vas pleurer. Ouais ouais. Non j'ai vraiment au moins mets une save devant la porte. Parce que là y'a quand même un impact, je dois me taper tout le truc à l'envers, c'est casse-couille. Non vraiment. Ok on pourrait dire grid. Mais genre factuellement, moi je voyais les ours se déplacer en pattern simple. Et donc je pensais qu'ils allaient continuer leur pattern simple, c'était juste genre, si tu les touches, t'en fight un, tu vois. Mais non, ils ont vraiment fait genre, t'ouvres la porte, ils viennent te kébler contre un mur, c'est juste cancer. C'est quoi, c'est un troll game? Bah non, genre je suis désolé. No more sound. Merci d'avoir prévenu. Vraiment des vibes de Pokémon Donjon Mystère en musique. Qu'est-ce qu'il va faire, Kel, si je le mets? Ok, je vais, tu l'as cherché. Aïe! Plus, j'ai raté. Oh, Kel, tu vas rien toucher si tu lances comme ça. Pourquoi est-ce que tu t'essaierais pas de viser pour une fois? Hein? Viser? Tu peux faire ça? Bien sûr! En même temps, tu peux viser, Kel. D'accord, je vais faire mon meilleur tir. Je sais pas du tout ce qu'il veut que je vise.
Oh. Oh. Ok. D'accord. Galignard. Oh, shit. Non, je peux aller là. Je peux cliquer là-dessus, I guess. Est-ce qu'il va m'attaquer, lui? Protégez le mot de passe sacré, tu t'as chardu. Oh. Peut-être qu'un jour, vous porterez le même fardeau que l'élite illustre. D'accord. Ah. Ouais, comment on casse ça? Don't know. Pardon, il a oublié qu'on pouvait viser, ouais, c'est ça. Oh! Oh, let's go! Ok, that's nice. Oui, bon. Oh, j'aime pas les cornichons. D'accord. On va changer de personnage juste pour ce heal. Quelle mécanique! Ok, on va faire une save. So. Ah. Mais pas choupette, c'est en esclave un peuple de tout pouce. Classique. Classique choupette, dude. Classique choupette play, man. Bon son. Hey. Oh non, hey. Classique choupette play. Hey. 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 Gundam Star. Sexy lady. Allez hop, meurs Harold. I to go, man. Papy va être banni à vie de ta chaîne. What? De quoi tu parles? Bah non, il faudrait que je mette les bonnes capacités. Je viens de caler comment tu pouvais changer les capacités. Genre. Par exemple, ça. Attaque 3 fois, frappant les ennemis aléatoires, coup 30. Oh, c'est une série. Agir en premier, une attaque plus puissante si Omori est heureux. Oh! C'est inflige des dégâts, c'est ennemi est énervé, réduit considérablement son attaque. Oh! Inflige des dégâts, c'est ennemi est heureux, réduit considérablement sa vitesse. Hein. Mais genre, franchement. Ça. Ça, c'est pas mal. Trancher le pain, en vrai, je m'en fous. Pour gagner du pain, mais ça quoi le pain, c'est du hip. I don't care. Ça c'est pas mal. En vrai le truc de l'énerver c'est bien aussi. Mais le problème c'est que le truc j'en ai besoin si je l'utilisais taillé. Pas taillé, poignardé. Yeah. Ok, Aubry. Alors, encourager un ennemi heureux, c'est bien. Frappe puissante, une attaque qui ignore la défense d'un ennemi, la réduit. Et la réduit, coup 20. Pas mal. Rend Aubry un ami heureux. Oh. Ok. Oh, frappe puissante. Le reste, je peux garder. Quel buddy! Rends un ennemi énervé, garde, paré. Coup du redonne énormément de jus à l'ennemi. What? Mais le blesse également? Oh! Oh, en vrai! Dude!
qu'elle peut faire des combos de bâtard avec Hero. Genre, tu rends le jus et Hero rend le heal. Et tu. Juste, tu combos à 5. J'ai dégâts à tous les ennemis. 15. Oh non. Kel a fait des dégâts en fonction de sa vitesse au lieu de son attaque. Et il est rapide, Kel, par défaut ou... Vu qu'une émotion aléatoire, un ennemi inflige plus de 20. Plus de dégâts à ceux en posant une. Ok. Je sais pas si la vitesse de Kel est bonne de base. J'ai utilisé Run and Gun et peut-être celle-là plus tard. Je garde, pareil, ça dégage. Agir en premier et réduit l'attaque d'un ennemi. C'est naze. Soigne une partie des cœurs et tu joues d'un ami. Oh. Yes. Retire l'émotion, non, c'est naze. Agir en premier, un ennemi cible héros pendant un tour. Non, c'est naze. Agir en premier, soignant un ami de 40% de leur cœur. Mais face out, j'ai déjà... Cuisiner face tout, c'est la même chose. Ah non. Des cœurs d'un ami. Mais c'est débile. Elle soigne 75% des cœurs d'un ami. Pour 10. Et elle soigne 40% des cœurs. Ah, mais elle agit en premier. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, bon. Ouais, en vrai, ouais. D'accord, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ok. Ok. So... Ah oui, merde. Schlack. Let's go! On gaufre! Nice! Oh oh! Oh man! Okay. Chut du doom! Merde! My bad! Voilà, maintenant on refait tout. Oh, wait! Je vais en l'air suspect. Attends, je suis déjà allé là-bas. Non, du coup, ça a pas compté? Si? Non, bah non, ça va compter parce que j'ai reset. Oh my god, ok, on va devoir se retaper ça, c'est pas grave. On se retape ça, ouais, parce que j'avais reset. Ok. Ok, let's go. Oups. Non. Oui. Let's go. Je vois déjà Nadir pour voir le bas de 24. Gagner des subs? Non, on a 24, non. Toujours au même nombre à peu près. On tourne entre 23 et 26 en ce moment. Ok, let's go, on se casse. J'ai un mot de passe spécial à cacher, mais tu n'en sauras probablement rien.
Oh, est-ce que ça serait pas du style? Il en sort pour rien. Ah non. Je croyais qu'il pourrait convaincre, vu que c'est héros et je sais pas, apparemment il a un charisme de 400 000. À skip. Mais apparemment non. Même lui n'a pas un charisme aussi puissant. Je vais faire une save juste avant que le jeu me remette un troll. La mao. Bien comme le lore sauf que Kael aime pas les cornichons. Tous les autres ils peuvent le manger mais pas Kael. Kael peut pas heal. Ok. Non, je vais pas fight. Mais enfin, quoi. Oh. Il est tellement aléatoire, regardez-le. Oh shit. Oh shit, merde. Ah oh, okay. Non, on va pas y aller, on va pas y aller. Mais juste, il a fait quoi, Papyrus? Être un dumbass. Et un dickhead. Basiquement. Oh là là. Bon, j'obtiens 2-3 mois. Quand j'arrête pas d'en parler sans l'acheter, bah le mois prochain, je l'achèterai. On verra si ça atterrit du sol qui donne 9 au goal. Et à chaque mois, ça fait moins 3, ça résolu. Bon, on verra bien, ouais. Bah, let's go, vieux. Hein. We will see. Ok. Ça pour une tomate, génial. Oh wait. Ah non, évidemment pas à cette portée. Ah mais de là on peut. Stop. Salut, je suis genre super occupé à rester debout ici en étant l'une des élites calamiteuses et tout. Je peux genre vous aider pour un truc? Ouais mec, mais genre ouais s'il te plaît, donne-moi le mot de passe. Il veut pas me donner le mot de passe. Enfin c'est pas qu'il veut pas, c'est que je lui demande pas. Mais pourquoi on lui demande pas? Oui c'est pour ça, ouais ouais. Il va faire une Yanis aussi, quelqu'un qui... Fais gaffe où tu mets les pieds, si tu es en présence de l'un des élites distinguées de Choupette, je garderai la sagesse de ce château avec ma vie. D'accord, ok, génial. Style Noelia, out fan de mot de passe. Ok, peut-être qu'il faut aller lui parler d'abord à la statue pour après pouvoir avoir le mot de passe. Fais gaffe. Ok, magnifique peut-être. Planète flamand. Flamand. Mangeant taille inhalant. Taille. Statue toast. Baleine. Statue. Magnifique flamand taille statue. Ah, I'm dead. I'm fucking dead. Que peut-être que maintenant ça marche. Il y a 4 mots de passe qui doivent être prononcés à la statue Choupette. Ah bah voilà. Faudrait commander les hits, je leur ai gardé la deuxième des 4. Tu lui donnes le mot de passe hein. Pas si vite mon pote. Je dois dire t'es vachement grand pour une topus. Comment je suis censé savoir si t'es vraiment l'une d'entre nous? Tu penses que je cracherais le mot de passe à un potentiel espion? Haha. Me fais pas rire.
C'est si sûr d'être un repousse, alors pourquoi ne pas le prouver? Je te dirai pas si tu peux deviner ce à quoi je pense au moment. Tofu choupette, tofu survie. Clairement tofu. Oh, du délicieux tofu. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Salut Kikipé, ça va buddy? Maintenant, approchez-vous. Le mot de passe qui m'a été trouvé est donut. Compris. Ok, donut. Donc le deuxième mot de passe est donut. Donut. Ok. Quand même, fallait genre d'abord aller voir la statue pour qu'il me donne les mots de passe. Pas forcément méga cohérent, mais bon, whatever. On va aller check celui là. Ah, oh, oh, on va aller check celui du haut maintenant. Il y a 4 mots de passe, naturellement. Le troisième. Vous voulez connaître le mot de passe? Oh non, je suis désolé, je suis cancé de le dire à personne. Hein, vous en avez vraiment besoin? Genre, vous en avez vraiment, vraiment besoin? Genre, vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin? Genre, vous en avez vraiment, 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 vraiment besoin? Je présume que je n'ai pas le choix, là. Et vous devez promettre de ne le dire à personne d'autre. Promis, je risque craché! Oui. Et voilà! J'ai peur que vous n'ayez pas quelqu'un de confiance. Maintenant, approchez-vous. Le mot de passe qui m'a été gonflé est... fourré. Ok, donc le troisième, c'est fourré. Fourré, boum. GG Kangal de 173. Vous avez compris? Promettez-moi de le dire à personne, ok? Ok, long gueule pour nous. Ça va ou quoi, là? Bah, tranquille, dude. On joue au Mori, petit jeu sympatoche. On essaie de trouver un mot de passe. On peut parler à des gens. Il y a 4 mots de passe, dadadada. Naturellement, en tant que membre de l'élite, j'ai la responsabilité de garder le premier, ok? C'est un jour magnifique dehors, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Ah, vous dites que vous aimeriez savoir le mot de passe? Je m'excuse. J'ai peur que cela ne soit pas dans ma juridiction. Mais je suppose que quelque chose de goûteux, blanc cassé et cubique pourrait me faire changer d'avis? Oui, bien sûr. Oh, du délicieux et irrésistible tofu. Je suppose que je peux te laisser s'échapper pour cette fois. Maintenant, approchez-vous. Le passe qui m'a été confié est adorable. Ok, adorable. Adorable. Moi, je dessine. Ah, cool. Tu dessines quoi? Compris? Ouais, on le dit à personne, t'inquiète. Et on va voir le dernier. Comment on le défonce celui-là, honnêtement? Ah, mais de là, je crois. Adorable donut fourré à la fraise. On va se prendre un truc comme ça, genre, tu sais. Je sais, on pourrait le trouver juste en allant maintenant à la statue. Tu sais, on pourrait le faire. Tu sais, on peut le trouver comme ça. Ok, donc adorable donut. Oh, mais non! Ils l'ont rajouté! D'accord, en fait. Tu as dit, oublie ça. Faux! En fait, En fait, tu pouvais pas brute force. L'option se rajouter, en fait. Damn! No brute forcing. Ouais, ok. Naturellement, tant qu'on est, j'ai besoin de garder le quatrième. Mais arc, je suis censé garder ce mot de passe super secret et tout, ouais. Mais genre, il parle de nourriture, donc maintenant je pense qu'à ça maintenant. Ça donne si vain que j'ai commencé à brouter de l'herbe pour calmer mon appétit. Vous pouvez le croire? Je devrais vraiment commencer à donner de la nourriture aux gardes du coin. Et puis même, c'est quoi comme genre de mot de passe confiture? C'est comme le nom QQ débile que ce gars bleu chelou a appelé Choupette, non? Non, mais allô? C'est pas du tout un secret, tout le monde pourrait deviner ça. C'était tout le temps en train de se balader en agissant comme un petit couple à se donner des petits noms. En disant des trucs genre « Pourquoi tu me demandes toujours pas de t'épouser ?» Et « Je suis désolé, mes amis n'approuvent pas cette relation tout le temps. » Ah, c'est tellement casse-pied. Mais bon, bref. Toujours coincé ici à garder les mots de passe avec les trois autres gardes. Ces gars pourraient même pas garder un secret pour protéger leur vie. C'est vrai, prenez-moi en pitié si vous le voulez. On verra si j'en ai quelque chose à faire.
Me voici confiné ici dans ce tout petit coin seul dans le jardin à garder le mot confiture de tous les mots. Vraiment. Hey. Non, Papyrus. Tac, allons-y. Alors, adorable, Donut et forêt et ascenseur. Non, j'ai... Baleine. Tu as dit adorable, Donut, forêt, confiture. Neuf. Bien. Non, on va dire ça s'appelle pas Sanji, c'est quelqu'un qui s'appelle Sanji. Le marrant. Oh. Des canaux non ouverts se permettent partout au sol. Chia Choupette, je t'aime tellement. Ayons des enfants et passons le restant de nos jours tous les deux. J'aimerais beaucoup que ça arrive. Merci. Merci. Des sauts de peinture. What up? J'ai quelques articles de show à vendre. Acheter. Ouh, confiture de vie. Yo! Wait. J'ai tellement de thunes. Pickle? Mais j'aime pas les cornichons. Oh, wait, c'est pour celui du coup. Ah oui, les cornichons. Oui. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Les gars qui se marient. Ah! Évidemment! Évidemment, évidemment. Merci pour le follow! Kirayushikage! Kirayushikage! Bienvenue, comment tu vas? Tac. Attends, on va voir si c'est balèze, c'est le coup. Bon, toi, je suis le bon, on s'en fout, moi, je passe pas mal. Yo, nice! Quoi, seulement 38, mais y'a plus de merde sa vitesse. Opa Gangnam Star. Dang. Nooooooo. Bienvenue. T'inquiète, ça va passer. Ou pas, enfin je pourrais fuir. Ah oui. Y'a pas de chill. Choupette, t'es ma reine, j'aime et adore tout ce que tu fais. De tout ce que tu fais plus que toi ou... Réponds à cette épée. Damn. Simping. Adorable choupe-tête, tu es mon amour. Cette épée vient chez moi. Tout est prêt pour toi. Oh, c'est un peu chelou. Alors, on va peut-être celui d'abord. J'aime pas... What? What the fuck? What? Ouais, j'aime pas mon chapeau. What the... What? Ah, y'a... What the fuck? What the... What? What the fuck? C'est super bizarre. Man. Je t'ai aimé depuis le premier moment que j'ai mis les yeux sur toi. Sois mienne pour toujours. Ok? Oh, on peut save. Oh. Oh, le mariage. Je m'y oppose. Yo, la trappe. Il a bu un peu trop de potion magique, lui, c'est ça. On a enfin réussi à sortir. Ah, vas-y, je remets mon bonnet, Noblemo.
Bonetto. It's Bonetto time. Waouh, c'est quoi toutes ces décorations? Attends, je mets bien mon bonnet. Hop. C'est quoi toutes ces décorations? On dirait que quelqu'un s'apprête à se marier. Oh oh, le spectacle va commencer. Cachons-nous! On enlève l'identité de Wapak à chaque fois, c'est ça? Laisse cul, Nadia. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Aujourd'hui est un jour des plus mémorables. Après 42 saisons de la quête des cœurs de Choupette, il est temps de diffuser notre épisode final. C'était une aventure splendide. Merci à tous les téléspectateurs. Depuis aussi longtemps que nous sommes à l'antenne, nous avons rigoureusement recherché un prétendant parfait pour notre Choupette adorée. Et à chaque fois, malheureusement, Choupette n'a pas été en mesure de trouver son véritable amour. Mais cette fois-ci, nous croyons que nous nous sommes vraiment surpassés. Voici le moment qui met fin à tous les instants. L'histoire commence ici. Tamissez les lumières, s'il vous plaît. The best pussy, top pussy Mike. Que l'épisode final commence. Commençons le mariage. Yo, il se marie avec 12 topous, let's go. Veuillez accueillir dans l'allée l'idéal prétendant de Choupette. No idea, qui ça? Un gâteau? Juste un gâteau, dude. Oh. Oui, c'est vrai! On aura tout vu! La réponse était évidente depuis le début! Le seul prétendant assez magnifique pour Choupette! C'est Choupette elle-même. Et Choupette elle-même! Bra bra bra! Allez. Silence! Oh shit! Commençons la cérémonie! Se marie toute seule, quoi. Épique. C'est pas avec toi, Boussmack. Mes chers amis, nous sommes réunis en ce jour. Choupette se marie elle-même, c'est trop nul. Ne rigole pas, Kel. Je me sens un peu mal pour elle. Ouais, mais still, that's so cringe. Et maintenant, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mariage sacré? Qui parle maintenant ou ne se taise à jamais? Capitaine de l'espace ou je sais pas quoi. Dans ce cas, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous prononce désormais Choupette et Choupette. Vous pouvez embrasser là. Je m'y oppose! Cessez immédiatement ce mariage! The fuck? Captain? Captain? Ah non. The fuck? Aubry. Ne faites pas ça, Choupette! Ce mariage est bidon! No shit, man! S'aimer soi-même, c'est une chose, mais... Là, ça va beaucoup trop loin. Pas encore vous! Comment osez-vous remettre les pieds ici? Garde! Garde! On les a tous tués, dude. Choupette, vous faites une erreur. Vous ne pouvez pas vous marier à vous-même. Il y a quelqu'un quelque part qui vous correspond. Je le sais. Oh, that's so choupinou. That's so choupette. Aubry, qu'est-ce que tu fais? Elle va encore nous envoyer au donjon, putain. Tu comprends rien, simple fan de héros. J'étais une jeune princesse autrefois. Moi aussi, je pensais qu'il y avait quelqu'un pour moi en cet univers. Oh. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Je ne crois plus au véritable amour.
Je ne tomberai plus jamais amoureuse de quelqu'un d'autre. La seule et unique personne que je vais aimer à partir de ce maintenant, c'est moi-même. Maintenant, garde, saisissez-la. Héros, je pense pas que ce soit une bonne idée. Choupette, écoutez-moi. Vous n'avez pas à faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce pourrait-il? Héros! Mon héros est venu me chercher! Oh, bordel de merde! Oh, mon doux héros, je savais que tu ne me laisserais pas toute seule comme ça! Comme tu me fais chanceler avec tes mots, bien que ce soit terminé entre nous, mon cœur ne t'a pas totalement oublié. Je vais te donner une dernière chance. Épouse-moi, héros, maintenant! Fais-le, je te laisserai tes fans et ton envie. Attendez, quoi? Je peux pas faire ça, c'est de la folie! Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me rejettes? De nouveau? Mais. Comment est-ce possible? Je. Ne. Comprends pas! Moi, je crois qu'il y aura un boss time. Il se tape boss time, chat. Oh oh, tu l'as fait. Anime girl. Ah oui, je vois tout clairement maintenant. Je vais l'admettre. J'avais tort à propos de toi, héros. Je pensais que tu étais un prétendant qui en valait la peine, mais. Il semblerait que tu sois jaloux de moi, comme tout le monde. Oui! Ça doit être ça, mon apparence éblouissante! Mon sourire charmant! Ma personnalité sociable! Certes, certes, certes. Ça doit être si difficile pour toi de te tenir en ma présence. Eh bien, il n'y a plus besoin de désespérer. Je vais abréger tes souffrances. Personnellement. Oh oh. Adieu, misérable plébien! Je vais vous enfermer dans le donjon pour toujours! Oh oh. Bam bam! No way! No way! La musique, no way! Oh my god! J'hésite en vrai à faire un poème triste. Je sais pas, ce poème triste peut être rentable en termes de paix. Oh mon dieu, Electroman Adventure, dude! Comment ça a ruiné? C'est génial! Electroman Adventure, Géométrie Dash! Ok, on va se rendre triste. J'ai pas pris les bonnes capacités pour lui, en vrai ça va être un petit peu relou. Bah qu'est-ce qu'on fait ça? Ok, on va y voir. Seulement 34! Oh! 50. Nanananananananan. Oh, je m'attendais vraiment pas à entendre cette musique ici. No, no, no.
Kevin Radiant, ça casse la défense encore. Wow, man! Yo, let's go! Il va falloir que... Ah, tous les amis. Oh merde, oui l'autre il a pas eu le temps de jouer, c'est pas ça. Bon c'est pas grave. Je vais me poignarder. I guess. T'as vu qu'elle est heureuse? Faudrait pas que je la rende en certains trucs pour lui faire plus mal. C'est quoi déjà l'arbre? Mais non, c'est triste, ça rend mal, c'est ça? En vrai, je devrais rendre triste tout le monde, non? Comme ça, je leur ferai plus de dégâts vu qu'elle est heureuse. C'est pas ça la logique? J'aimerais plus dans quel sens la logique de l'arbre de Mori. Je crois que c'est dans le sens que j'ai dit, mais je suis pas sûr. Genre, attends. Mori. Sad beat. Emotion. Ouais, c'est dans quel sens déjà? C'est. Sad, c'est fort contre les gens happy. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, vu qu'elle est heureuse, on aurait genre abusé de ça, non? Rendons triste. Toi. Est-ce que j'aurais pas un truc qui permet d'augmenter ma vitesse? Oh, on peut rendre tout le monde triste? Oh! Vas-y, rends-toi triste. Ah bah on est à 10, let's go. Nice. Nice, on est triste. Trop bien. On adore les rendre tristes. C'est inutile, bande d'idiots. Vous ne pouvez pas atténuer mon énergie positive. Tu vois, ne plus devenir triste, c'est vrai. Bah bénef, reste heureux, je m'en fous. C'est super bénef pour moi. D'abord, on va attaquer normal. Prends énormément de jus, hein. Et toi,
qui va faire l'heure du goûter. Non, il est mort. That's not good. Oh, that's annoying. The sad team. Ouais, mais ça, en fait, ça fait mal, hein, putain. Attaque normale. On va ressusciter bonhomme, et toi... mange, I guess. Attends, j'ai besoin de faire... Non, non, attendez. Bon, toi, t'attaques normal, ça change rien de toute façon. Ouais, bon. Non, on devrait laisser comme ça, tant pis. Cool, 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 cool. Ouais, je peux pas libérer l'énergie du coup. Y'en a partout qui régène tout le monde globalement. Les amis, oh, ok, c'est bon, on est pas mort. Vous osez lever la main sur moi, abruti! Vous devez ramper sur vos genoux. Vous devriez ramper sur vos genoux. Ramper sur mes genoux. Oh oh! Ma beauté est ma grâce illimitée et éternelle. Quel dommage que vous ne puissiez pas en profiter plus longtemps. Euphorique, ok. Nickel toi. Bah écoute, tranquille, on fait Bonjour Omori, on essaie de battre une anime girl. Ce qui est un peu chaud parce qu'elle fait très très mal. Mais ça va, ça va. On get good. Yeah, I guess qu'on peut. Je vais poignarder. Il faudrait genre legit que tout le monde se heal, man. I guess qu'on peut. Je pourrais tenter de brute force, mais. Non, on va tenter un truc. Mais sonne, limite sonne toi, toi. Toi t'attaques. Et toi tu tentes un heure de goûter encore une fois. Non, tu l'as fait trop mal, truc de malade. En plus elle focus bien ce que je veux heal, hein. Damn it. Ok, nice, sans dégâts. Ouais, il rentre triste l'autre, mais en même temps bon, il est en sans dégâts. Il donc vraiment. Yep. Ah, ça va être chaud, on a plus beaucoup de machin aussi. Là, combien de vie? Ça va, ça va. Ah ouais. Ok, il faudrait genre... Oh, soigne 100k à tous les amis. Waouh, c'est bien ça. Bon, déjà, on va raise. Je redonne du jus à tout le monde. Ok, attends, toi tu peux frapper et. C'est risqué, hein. Let's go, hein.
Yes, elle a raté, elle a raté. Oh, parfait. Oh, parfait, oh, parfait. Let's go. Ok. Heure du goûter. Zaza zoom. On se remet bien. On se remet correctement. On se remet correctement. Ok. Ça va, ça va, ça le fait. Idéalement. Non, tu me dis, il va heal encore. Yes. Quoique, on reste quand même. On va essayer de rendre triste Michel, comme ça c'est good. Vous avez plus beaucoup de machins, je voudrais prendre vos régènes quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui régène un peu tout le monde en. Ah, tu joues à tous les amis, voilà. Tiens, t'as qu'à donner encore un coup de jus. Et toi pour le coup. Oh, ça va, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Ok, ben tout le monde est sad, tout le monde pleure, nice. Poussez la banane. Good, 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 good. En poignard. Oh, quoi que, elle va lancer sa massue, je vais être bon, non? Ouais, s'il meurt pas, l'autre. Yep. On va tenter une attaque en pré-shot du fait qu'on va être à 10. Hop. Et toi tu vas faire du boudin encore une fois. Écoute. Ah, par contre, j'ai pas. Finalement, y'a pas. On est pas à 10. Je vois que vous êtes toujours debout. Je présume que les cafards sont résilients. Exalté. D'accord, ok. Ok, let's go. On est à 10, on est à 10, on est à 10. Vas-y, lui, si t'arrives à. Ouais, quoi que, en vrai, tu vois. Attaque normal. Zazor, arrête, il est devenu fou! Zazor, non! Et toi, attaquer à la limite. Cuisinier. Oh shit, merde! Ok, let's go, personne est mort. Mega good, mega good, mega good. Yes, balance l'énergie. On libère la purée. C'est parti. Oh, 900 dégâts. Let's go! First try, idiots! Non! Est-ce que c'est ce qu'on appelle une défaite? Je peux pas accepter ça! Je n'accepterai pas ça! Vous n'êtes rien qu'une bande de paysans de bas étage! GG, merci! Let's go, first ride! Let's go, chat! Let's go! Wouh! Je crois qu'on a trouvé des bons combos là. Là, je crois qu'on commence à. Je commence à bien comprendre les mécaniques et ça va. Merci, Prolzer. Merci, Kaké. Merci, Kikipé. Merci, Gashrod. Oh, j'ai gagné un succès! Oh, 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 oh. Bon, c'est de la batte quoi. Comment est-ce possible? Vous n'êtes rien du tout! Comment osez-vous me défier? Jetez-les dans le champ! Garde! Garde! Oh shit, les gardes. C'est fini, Choupette. Le mariage est annulé. Non, je ne peux pas accepter ça! Laissez-moi tranquille! Oh, y'a Topus Mike! Toujours? Captain? Captain, 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 Captain. Yeah, Captain! Let's go. Yo. Ma choupette! Oh, ma choupette! Oh, je suis si soulagé d'être arrivé à temps. Tu dois immédiatement arrêter cette folie! Captain spatial? Tu. Espèce d'idiot!
Je pensais t'avoir dit de ne plus jamais montrer ton visage devant moi. Oh, Choupette! Ma Choupette! Mon adorable donut fourré à la confiture! S'il te plaît... Ben, j'ai faim maintenant. S'il te plaît, regarde dans ton cœur et donne-moi une autre chance. Je n'aurais pas dû te faire attendre pendant tous ces jours. Tu... Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Épouse-moi, Choupette. Ici, sur cette même scène. Oh, mon Dieu! C'est... Tout ça si soudain! Comme c'est romantique! Topus Mike, je vous ordonne de nous marier sur le champ! Oui, tout de suite, votre majesté! Mes chers amis, nous sommes réunis en ce jour! Oh, oubliez les formalités, Mike, le véritable amour n'attend pas! Oui, ma princesse! En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous prononce désormais Choupette et Marie Spatiale! Bra bra! Vous pouvez embrasser la mariée! Capusolo! C'est censuré, sérieusement? Oh, Choupette! Voyageons ensemble dans l'univers et laissons tout ça derrière! Oui, oui, mon mari! J'irai n'importe où tant que c'est avec toi! Prenons congé, ma Choupette! Nous avons été séparés depuis bien trop longtemps! Viens, mon vaisseau nous attend! Oui, bien sûr, mon chéri. Mais d'abord, il y a une dernière chose que je dois faire. Topus Mike, donnez-moi le bouton. Tout de suite, ma reine. Ça serait uniquement en France, c'est ça. Nous n'aurons plus besoin de tout ça. Quoi ? Je suis prête maintenant, chérie. J'ai fait un attentat, on peut y aller. Enfin, nous pouvons être ensemble. Viens, ma reine, notre char nous attend. Il paraît que Topus Mike, Topus Mike, Topus Mike, Topus Mike, the best one, man. Oh non, elle est restée dehors. Topus Mike. Tout ça pour une fin heureuse? Je ne pense pas du tout que ça va bien se terminer. Ouais, j'imagine que c'était une perte totale de temps. De good ending, entre parenthèses. Ton lien avec tes amis s'est renforcé. Les coups relais de tout le monde se sont améliorés. Nice. The hall. No, 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 no! Non, Topus Mike. Topus Mike. Topus Mike. Topus Mike. Oh, Basile. Basile. Qu'est-ce qu'il y a, Omori? Quelque chose ne va pas? Where is Topus Mike? Ouais, j'ai pas rêvé! Ah! Attends. Non, ok, c'est pas du tout ce que je croyais. J'adore Choupette! A tel point que j'ai acquis des billets pour l'événement le plus prestigieux, la quête des cœurs de Choupette. Bien que je n'ai pas pu obtenir un billet au premier rang ultra rare et inatteignable, mon vendeur réputé m'a assuré que mon billet sera malgré tout situé à un emplacement de choix. Mais également assuré que l'événement commence incessamment sous peu. Ce qui fait que je fais la queue depuis de très nombreuses heures. Est-ce qu'on lui dit? Mais... Si! Enfin... Kind of? Is that the sound font of the penis egg? Damn. Oui, c'est le sound font de penis egg! What? Je reconnais cette musique, je connais cette musique. C'est une chanson, c'est une musique, je connais cette musique.
Pas... Ouais, c'est le sound font utilisé pour la musique. Ça vient d'un truc que je connais. Je demande si on devrait lui dire. Je suis sûr qu'à tout moment, l'événement va commencer et que je serai guidé vers mon siège par nul par l'autre que Choupette elle-même. Ceci dit, en tant que plus grande fan de Choupette, je ne pourrais même pas envisager de venir à l'événement sans ma chose la plus précieuse. Juste un coup d'œil à mon magnifique... Qu'est-ce que... Elle a... disparu ? Non. Ma chose la plus précieuse. Je ne pourrais pas assister à l'événement de mes rêves sans elle. Vous quatre, puisque vous êtes sans doute, sans aucun doute, de moins grand fan de Choupette, je dois vous demander de trouver ma chose précieuse et de me la rendre. Vous comprendrez. Oh, gna, gna. Ok. Ah, attends, par contre, j'ai pas check la fin du monde, donc laissez-moi checker la fin du monde. On me suit. C'est une longue descente. Peux-tu sauter? Oh, shit. Ok, wait. No. Wait. I'm not that stupid. So, wait. I'm gonna jump. Mais on va pas être débile. On va save avant. Not stupid. Chat, allons voir le trou, I guess. The hole. Jump into the hole. Yes, sir. Je vole au bout de la nuit. Da la la la, da la la la, da la la la, da la la la, da la ta 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 ta, da la ta 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 ta. Fallen down. Welcome to Undertale. What the fuck? Une orchidée colombe. Oh, c'est les trucs qu'il y avait dans la chambre de la grand-mère. Oh. Fuck off! Hey, what's up? Trouve un livre qui attire ton attention. On lit un extrait, vas-y. Un par un, ils se sont endormis dans la voiture sur le chemin du retour. C'est une longue journée à la plage après tout. Et tout le monde était épuisé. Bah a été le premier à s'endormir, puis les autres. Alors que le soleil se couche sur l'autoroute, la tête de Bah tombe accidentellement sur l'épaule de Bah. Il soudaine secousse les réveils, mais il n'ose pas ouvrir les yeux. Il fait semblant de dormir et stabilise sa respiration. Il écoute le son de la route. Il sent le doux soleil se reposer sur sa peau, la légère douleur qui demain laissera apparaître un coup de soleil sur son nez. Il est heureux. Très très heureux. Et il se promet que quoi qu'il arrive, il se souviendra de ce moment pour toujours. Fuck off. Dude. Wait. Trouve un livre. Oui. Une flaque de jus s'imprègne dans le tapis. Les personnes se tenant au-dessus n'est autre que BAM retenant une brique de jus ouverte. Il regarde ses amis autour de lui qui portent tous la même expression de déception sur leur visage. Il laisse échapper un petit rire coupable. En ce qui semblait être moins d'une seconde, BAM disparaît par la porte d'entrée. Un petit chaton noir se fraye un chemin à travers la tache, laissant derrière lui des traces mouillées sur tout le tapis. Le visage de BAM devient rouge et crie après BAM, mais BAM est déjà parti depuis longtemps. Donne à BAM quelques lingettes humides. On dirait bien qu'ils sont les seuls adultes ici. Et s'ils ne nettoient pas ça, bientôt le tapis va être taché. Devront s'occuper de BAM plus tard. Fact. Is that BAM lore? No way. No freaking way. C'était une chose journée d'été. Et tout ce à quoi BAM pouvait penser était pourquoi il ne pouvait pas faire ça demain. C'était le bazar dans le jardin. Les planches en bois étaient éparpillées dans toute la zone.
grâce au travail de bah et bah, des taches de peinture ont éclaboussé l'herbe. Toute la journée, bah, à regarder bah, faire des allers-retours, travaillant des planches de bois depuis la camionnette de son père. Il a regardé bah, se marteler les doigts encore et encore, et a remarqué que plus d'une heure s'était écoulée depuis que bah était descendu de son échelle. Baisse caractère, bah. Je serais juste leur soutien émotionnel, pensa bah, alors qu'il s'asseyait endormi à l'ombre de son arbre préféré. Bien entendu, il savait que ce ne serait pas le cas. Bientôt, ses amis demanderont de son aide, et il ne pourra pas refuser. La cabane est pour tout le monde, il est donc normal que tout le monde y mette du sien. Bah le sait et partage cet avis, à contre-cœur. Il se glisse et vacille jusqu'au bazar, il sait qu'il devrait y mettre du sien. Cela devrait être le jour le plus chaud de l'été. Yo, yo, what the fuck? Is that my sister? Hey, sister. Hey, sister. Can you like come back? I want to talk to you, and maybe I don't know. Hey, hey sister. Cette année, bah, a été assez chanceux pour être assigné à un bureau à côté de la petite fenêtre. Chaque jour pendant les cours, bah, regardez avec langueur à travers l'ouverture. Les ombres des arbres, les nuages au-dessus de sa tête. Son esprit a dérivé ailleurs, dans ses propres univers. Ses propres histoires, ses propres aventures. Il avait l'habitude de faire ça. C'est facile pour lui de se perdre. Aujourd'hui était un jour comme n'importe quel autre. Bah, regardez dehors d'un air absent, tandis que les nuages passaient un par un. Soudainement, une main enjouée frappa son dos, le sortant de ses rêveries. Bah, se retourne le regard de la, détourne le regard de la fenêtre. Bah, sourit. Il fait signe que le cours est terminé et qu'il est enfin l'heure de déjeuner. Aujourd'hui c'est pizza et ils doivent se précipiter à la cafétéria avant qu'il n'y ait plus rien. L'estomac de bah, gargouille. Il regarde la petite fenêtre une dernière fois. Il devra continuer ses aventures un autre jour. En... l'or ? C'est le crépuscule. Le village s'endort. Et le loup-garou se réveille. Une étrange statue veille sur le lac caché. Elle a peut-être eu un symbolique important par le passé. Mais le temps a rendu ses gravures illisibles. Dans tous les cas, cela n'a pas... n'est pas très important pour la troupe le visitant aujourd'hui. Ils sont juste là pour l'utiliser comme plongeoir. Les frères sautent à tour de rôle de la statue. Bah saute en premier. Ensuite, bah. Puis encore une fois, bah. Et une fois de plus, bah. Les frères incitent soigneusement, bah, à les rejoindre. Et après mieux réflexion, bah, acceptent avec prudence. Bah grimpe à la statue et regarde l'eau en mouvement. Il peut entendre ses battements de cœur, ses oreilles commencent à bourdonner. Il a l'impression que ses jambes peuvent céder à tout moment. Il essaie de se concentrer sur sa respiration. Il sent quelque chose ramper sur son épaule et ses yeux s'ouvrent subitement pour rencontrer ceux d'une araignée noire. En un instant, bam, perd tous ses moyens et se jette dans le lac. L'eau lui remplit le nez. Il bouge ses membres, mais l'eau est plus forte. Il est trop faible, trop impuissant. Ou c'est ce qu'il croit. Bam, ferme les yeux et meurt noyé. Et attend que les frères viennent le sauver. Fuck off, man! Putain, les araignées dans ce... Mais merde, bordel! Je peux plus vivre. Can't live in this country, man. Je trouve un livre qui attire ton attention. On lira un extrait. Tout le monde est de retour aujourd'hui. La grande occasion a lieu samedi matin. De 7h à 11h du matin, le groupe des 6 amis mange un délicieux petit déjeuner. Fait maison et regarde la télévision tous ensemble. C'est le jour le plus agréable de chaque semaine. Bah! Regarde l'horloge. 8h du matin. Il reste 2h. Il pourra regarder la télévision avec tout le monde jusqu'à 10h, quand son tuteur arrivera. Bah grimace. Ce qu'il pensait être un passe-temps enrichissant n'a été rien de plus qu'une nuisance. Plutôt que de regarder des émissions avec ses amis, il sera le seul à les manquer. Seulement il pouvait regarder la dernière heure avec tout le monde. Si seulement il n'avait pas à jouer du violon. Bah alors... Quelque chose s'est ouvert. Bon là, on est du coup, basiquement, dans les souvenirs de Maury, de ce que je comprends. Ah, les souvenirs de William. Oh, une lettre, j'ai pas vu. L. Take the L, loser. Ok. Wait. Il y a un trou ici, regardez dans le trou. Oui. Sup, Basil, what up?
What up, Basil? Want to lick my bo... You know it was a lick my joke. He didn't like it. N'oublie pas, c'est dans le coffre à jouer. Ok. Il y a une clé dans le coffre à jouer. L'or? Non, il y avait un truc à gauche, je suis pas allé voir! Oh! Stabbing time. Chat, stabbing time! Let's go! Le son, il est tellement incroyable. Deux jours restants. J'aime trop comment, basiquement, la Ligma Joke lui a donné envie de se backstab. It's time to wake up, William! J'adore ce son. T'as un nouveau message. Hey William, c'est maman. Est-ce que tu vas bien? Tu ne réponds ni à mes appels ni à mes messages. Tu continues à m'ignorer, je recommence à m'inquiéter. J'espère que tu ne t'es pas backstab. J'espère que tu fais tes tâches à ton rythme. Je pense que même moi, je ne pourrais pas tout finir en un jour. Est-ce que tu as rendu visite à Kel au final? Sinon, c'est pas grave, je comprends. Vas-y, juste à ton rythme. D'ailleurs, tu peux aller vérifier l'armoire en bas et voir s'il y a des choses que tu veux garder. On va prendre juste jeter tout ce que tu n'as plus besoin. Il reste plus que deux jours avant que je vienne te rechercher. Ok, c'est tout pour l'instant. Maman t'aime très fort. Au revoir, chérie. Tu peux arrêter de cogner à ma porte? Connard! La bibliothèque, elle est vidée. Et du coup, il parle de quelle armoire? Quelle armoire? Quelle armoire? Quelle armoire? Ça? Quelle armoire? Pas d'armoire, ça? Vas-y, gros, elle invente des armoires, madame. Crazy man. Let's go! Oui, quoi? Eh oh! Eh oh! William! Je suis en Teletubbies. T'es là? Am I? Chat! Chat, une fois de plus, I need your help. I need your help, chat. Because I don't know, man. I don't know. Que souhaites-tu faire? Ouvrir la porte. Ne rien faire. Allez, chat, s'il vous plaît. Chat, aidez-moi, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'on fait? Ouvrir, on connaît pas. Et quand on connaît pas, on ouvre. Vas-y, go ouvrir. Ok, vous pensez ouvrir. Ok, deux votes pour ouvrir actuellement. Tiens, comme si je voulais choisir. Est-ce que j'ouvre à Kel? Est-ce que j'ouvre pas à Kel? Est-ce que je lui dis achète-moi une pizza et peut-être que je t'ouvrirai? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voulais choisir. Vous avez deux minutes. Yo. Ouvrir. Ah, tu peux voter, Frolzer, tu peux voter en cliquant sur le poll. Tu peux voter, tu peux aller sur le poll et voter pour ce que tu veux. Il y a un poll, tout le monde peut voter. Tout le monde peut voter, ça va être drôle. Je voulais choisir chat, c'est vous qui choisissez. En vrai perso, pour l'instant j'ai pas ouvert une fois, j'ai ouvert une fois et là on est au troisième vote. Bon, vous êtes à 3 à ouvrir la porte, ok, moi ça me va. Hein. Juste attendre la fin du poll. Tout le monde peut voter, tout le monde peut voler. Exactement, c'est vrai. Je pige pas le contexte de ta phrase, mais c'est vrai. Je dirais que c'est pas faux, c'est pas faux. Oh, j'ai reçu une notif. Why?
Oh, un repas everyone. Oh, fuck off, dude. Les cerveaux, j'ai oublié de désactiver les repas everyone, c'est vraiment horrible. Dude, c'est bon, dude. Fuck off. Pas possible, ça. Ok. T'as pas que j'ai volé ta montre, tu feras gaffe. J'ai une autre montre, là. Une montre Zelda un peu naze. Ok, on ouvre la porte, chat. Parti. Welcome. Hey. Salut, William. Bonne matinée à toi. Enfin, il est déjà midi, en fait. L'heure où je me réveille. Il se trouve que Hero ne sera pas là avant le dîner, donc je pensais passer te voir un peu plus tard. Maman m'a demandé d'acheter quelques trucs à la place de Lointainville avant qu'il revienne et... Je me disais que ce serait plus rigolo d'y aller ensemble. Tu veux m'accompagner, William? Bien sûr que tu veux. Allez, viens. Allons-y. Save. Mais quel roule. Non, quel pull. What? C'est marqué quel pull? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mince alors, ça doit être un coup d'Aubry et du gang des trottinettes. William, sois honnête, est-ce que je schlingue? Eh, attends, William! C'est un moment que t'es pas venu. Oui, ah, chaque fois, il veut pas que j'aille chez lui. Comme s'il cachait des cadavres dans ses placards. Damn ways to die. Damn. Uncanny meme. When I play Omori. Voyez voir. Je suis quasiment sûr qu'il faudra qu'on aille chez Gino et à la boulangerie de l'inter... De Altermarché. Tous unis contre la vie chère. Passe devant, William. Ok, alors. First try, avant to check something, chat. I want to check something. Peut-être que mon jeu va crash. S'il crash, c'est pas la fin du monde. Je peux le redémarrer. Mais peut-être qu'il va pas crash. Allons à la boulangerie. Ma mère a passé une commande là-bas. D'accord, mais est-ce que je peux juste aller vibe check d'abord? Yeah! Oh, chat, j'ai réussi à fixer les crashs! I'm a chat! Oh my god, dude. Parce que j'ai pas vérifié si ça marchait. Mais oui, j'ai basiquement fixé les crashs. I'm such a fucking genius! Yes. Let's go, je suis content. En fait, j'ai trouvé des lignes de code qui manquaient, du coup, j'ai rajouté des trucs, et c'est passé. Bienvenue dans notre boulangerie familiale. Que souhaitez-vous? Bonjour, je suis là pour récupérer une commande. Ah oui. Ta mère m'a dit que tu viendrais, mais je m'attendais pas à que tu sois là un poil plus tôt. Je vais récupérer ta commande. Vous savez, cette boulangerie appartient à la famille de Michael. J'imagine que c'est dur à capter vu qu'il porte cette horrible perruque jaune en permanence. On dirait qu'il fait un effort plutôt conséquent pour se démarquer et être différent. Voici votre commande. On espère vous revoir bientôt. Profitez bien de vos pâtisseries. J'ai obtenu la commande de la boulangerie. Ok. Cool, merci. Tiens, on est prêt à partir maintenant, William. Je suis prêt quand tu l'es. Eh ben, I'm ready. Allons-y. Can I run? I can't run in the shop. Moi je paye même pas, je paye rien! Je vole! Hey Gino. Grosse ambiance par ici. Ça déchire grave chez Gino! Ça c'est une pizza bien dégoulinante, crade et grasse, comme je les aime! À l'attaque! Du coup, crunch! Crunch. On va toujours à notre repère secret aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais ramener ma canne à pêche. Merci pour le follow, Solarina Luna, bienvenue, comment tu vas? C'est moi qui l'ai fait hier. À partir d'un bâton trop stylé et d'une corde à sauter. Tu penses que ça va marcher, Charlie? Oh, nice. Eh bien, bienvenue, on joue au Mori. Et donc on va à notre repère secret. Crunch. C'est un endroit parfait pour un rencard. Crunch. Je ferai en sorte de... c'est marginal. Je ferai en sorte de ramener une de mes jolies minettes. Putain, je me rappelle plus des personnages. La musique me détruit. Nager.
Crunch, 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 crunch. Ça a l'air. Crunch, 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 crunch. Plutôt marrant. Et bah, crunch. Oh, vous serez tous à faire des clowns comme des bébés, moi je serai occupé à faire des ricochets. J'ai passé la semaine à chercher Crunch, décalé parfait. Cheer, c'est quoi? Les cheer, c'est les bits, si je me trompe pas. C'est en gros la monnaie de Twitch. Hey, Crunch, tu peux essayer autant que tu veux, Kim. Tu n'arriveras jamais à battre le record d'Aubry. Ferme-la, Michael. Comme si le fils voudrait, Crunch, aller au lac avec toi sans que tu la paies. Oh, oh, oh. Je t'ai dit de m'appeler le Margi. Ah, monsieur, porte ma langue. Qui dit bah, oh putain, les bah, j'ai envie de les taper. Quel bouffon. Quoi, tout va bien, maître? Vous va bloquer, Kim. Bruh. Je peux mettre une autre musique dans le jukebox, please? Non, j'ai pas d'autre musique, merde. Bonjour et bienvenue chez Gino. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, je suis là pour récupérer une commande. Je vois. Que désirez-vous? Oh, je sais, vous voulez de la pizza. Miam miam. Je pense que ma mère a appelé pour une commande de sandwich héros ce matin. Juste là pour la récupérer. Oh, je vois. Vous êtes de la famille qui n'arrête pas de commander des sandwichs. Nice metal pipe. Et deux droits pour le capitaine. Oh, attends, je mets le droit. Racisme WAPAC? Yes, dude. Mais ils sont sur la carte, non? Ouais, t'as raison. J'imagine. Ok, je vais chercher ça. Tu sais, je sais pas si je t'ai déjà si je l'ai déjà dit, mais c'est ça que Hero est le surnom de mon frère. Tu pourrais penser que c'est grâce à un truc super stylé, comme s'il avait sauvé un chiot en étant gamin ou un truc dans le genre. Mais non, il aime juste vraiment les sandwichs. D'accord, ok, son nom c'est vraiment juste. Mais du coup, ils s'appellent pas Hero. Ou alors ses parents sont vraiment chelous. Voici votre sandwich Hero. Bon appétit. J'ai obtenu la commande de pizza de Kiel. On peut sortir d'ici. Cool, merci. D'accord, on est prêt à partir maintenant, William. Je suis prêt quand tu l'es. Je suis prêt. J'ai juste envie de quitter cette pièce. Oh, thanks God, dude. The Harlem check is gone. Oh. Ok, on va où maintenant? Gâteau. Ok, sandwich. Ok. Eh bien, on a tout. Et pile à temps en plus. On dirait que le soleil va se coucher. Rentrons chez moi. Hero devra arriver d'une minute à l'autre. Oh, damn, c'est rapide. Rentrons chez lui. Oh. Uncanny Omori. À gauche, c'est ça? Yes. Yes, yes, yes. Avant de rentrer, je devrais probablement te prévenir que ma mère va être un peu en colère vu le temps qu'on a pris avec les courses. Je suis censé tout lui emporter pour midi, mais je me suis laissé emporter dans d'autres trucs et... Enfin bref, tu sais comment ça se passe. Enfin qu'importe, j'ai réfléchi à une solution pour ça. Alors, je me disais que tu devrais rentrer en premier. Comme ça, elle va te voir toi d'abord et elle va être toute contente. Et surtout, elle va oublier de me crier dessus. Tu vois, c'est gagnant-gagnant. J'ai honnêtement, objectivement, il est pas débile. T'as compris? Allez, vas-y. D'accord, fais un vas-y. Maman, William est là. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps qu'elle? Je t'ai envoyé chercher les courses il y a des heures. Combien de temps ça prend pour prendre quelques sandwichs? Oh mon dieu, c'est toi William. Mais où c'est toi? Ça fait plaisir de te revoir. Oh mais tu as l'air si maigre. Est-ce que tu manges correctement? Voici les trucs que tu m'as demandé, maman. J'ai la commande de la boulangerie et la commande de pizza à la maman de Kel. Dépêche-toi William, montons dans ma chambre. Attends une seconde, jeune homme. Salut maman, à tout à l'heure pour le dîner. Maman. Ah. Tu penses que tu peux te retenir un peu plus, William? Je vais te montrer ma chambre d'abord. Ah, on peut pas aller aux toilettes. Il mange des...
C'était Steak, mais il peut plus car Kay il a pris son couteau à Steak. Oh, c'est vrai. Eh bien, fais comme chez toi. Oh, regarde, genre, putain, il a tellement de coupes, what the fuck, man. J'ai un panier de basket et une radio cassette, comme j'en ai toujours rêvé. Attends, je vais mettre une musique pour toi. Let's go! Good time! Lose your mind! Dude, il écoute Party Rock 2014! Ouais, c'est bien cool! Maman me laisse pas mettre de musique trop fort parce qu'elle dit que c'est mauvais pour Sally. Oh, mais attends! Tu n'as pas encore rencontré Sally, non? Hé hé, devine quoi, William? Je suis grand frère maintenant. Sally, ma petite sœur. Ma mère va probablement l'amener en bas pour le dîner. Elle est vraiment toute petite et vraiment mignonne. Quelle? Il y a une fille à l'entrée, elle dit qu'elle est là pour te voir. Hein, je me demande si ça peut bien être. Your mind. Grosse ambiance dans la maison de Kel, hein, quand même. Coucou Kel, coucou William. Désolé de vous déranger. Je me demande si vous saviez où était Basile. Je me disais qu'il était peut-être avec vous. Basile? Non, désolé. On l'a pas vu de la journée. Oh, d'accord. Je suis sûr qu'il va finir par revenir. Il a fini plus tôt et il n'est toujours pas revenu. Si vous le voyez, vous pouvez lui dire de rentrer à la maison. Je suis vraiment inquiète pour lui. Bien sûr, Polly. On sera à l'affût. On doit le chercher dans ce monde. On doit le chercher dans la vraie vie, dude. Let's go. Merci. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vas-y, elle a disparu aujourd'hui. J'ai un mauvais pressentiment. Surtout avec Aubry et sa bande dans le coin. Je devrais peut-être aller le chercher avant que la nuit tombe. Est-ce qu'on peut aller le chercher, maman? S'il te plaît. Bon, cette fille avait effectivement l'air vraiment inquiète. Bon, d'accord. Mais soyez de retour avant le dîner. Ça va, il est midi. Ah non, pas genre le dîner du soir. Ah, ça, on a 6 heures au moins. Chill, dude. Chill, man. Ok, attends. Si on cherche Basile, je devrais stratégiquement commencer au niveau de sa maison, I guess. Chercher des indices, tu vois. Chercher des empreintes. Il s'est enterré lui-même. Classique Basile Play. Toc toc. Pas de réponse. Oh non, il s'est pendu avec cette laisse. Ah, c'est un yo-yo. J'ai rien dit, ma théorie est fausse. Oh, mon chien Lucas s'est encore enfui par la porte. Il essaie toujours de sortir de la maison. Parfois je me demande s'il ne vit pas que pour la bouffe. Où est-ce qu'il est parti cette fois-ci? J'en sais rien, dude. Je cherche une personne disparue à la fois, ok? Où est-ce qu'il peut bien être? Ça fait déjà 10 jours qu'on cherche Basile. Il a disparu aux alentours de 4h30 ce mardi. Où est-ce qu'il peut bien être? Probablement dans un buisson. Il essaie peut-être de faire top 1. Ah, it's time to be uncanny. Est-ce que Basile pourrait être quelque part dans le parc lointain par hasard? Bah, c'est justement ce qu'on va voir, dude. That's like what I search. Oh, what the fuck, salut mec. La puanteur de cette table est indescriptible. Hé, hey, frangin, pourrais pas me laisser une petite pièce? Ça ferait très plaisir. Ouais, veux-tu donner? Bah, j'ai 0, dude. Tiens, je te donne 1. Ça va faire... Oui, bien sûr. Il a pas assez d'argent. Sadness. What? Front ridé. Hé, hey, les amis, comme c'est bon de vous voir. Ces nouveaux gens recyclataires qui se montrent par ici sont vraiment en train d'apporter des réels changements. C'est la première fois que je vois autant de gens prendre l'initiative de ramasser les déchets. Ça rend mon travail bien plus facile. Quelque chose à leur sujet semble un peu douteux, cependant. Mais non. Seems like some cool guys, I guess. Il y a une save. Il y a une save, c'est ça. Sérieux, il est où, Basile? Je le vois nulle part. Quelqu'un! À l'aide! William, t'as entendu? Je crois que c'était Basile.
Ça, faut que je fasse une save. À l'aide! S'il vous plaît! D'où provient sa voix? Attends une seconde, je connais cet endroit! La vol basile vient de notre ancien repère! Ton sprite était trop gros, mais. En train de voter encore quelque part par là! Oui, d'accord, je peux faire une save? Avant de me faire assassiner, je préfère faire une save. Oh shit! Harcèlement! À l'aide! Quelqu'un! Mais pourquoi tu cries comme ça, Basile? Tu me fais une scène! Cet endroit est notre repère secret! Ouha! T'as pas le droit d'être là parce que t'es pas invité! Bonsoir, Basile! Tais-toi! Quelqu'un va finir par trouver cet endroit! Ouais, on veut pas te faire de mal! Ouh! On veut juste que tu te barres! Ha! Hé, hey, arrêtez ça! Qu'est-ce que vous faites à Basile? Quoi? Revoilà Kel et William! Pourquoi vous arrêtez pas de vous pointer? Déjà, comment vous avez trouvé cet endroit? Allez, Aubry, faut qu'on défende notre territoire! Aubry? Dégage, Kel, t'es pas le bienvenu ici! C'est notre endroit! Oh, c'est votre endroit maintenant! Eh bien, c'était notre père à l'époque, n'est-ce pas, Aubry? Fais gaffe, on va te défoncer! Ouha! J'ai poursuivi Brasil pour une grenade, j'avoue. Bon, si c'est ce que vous voulez, alors arrêtez au moins de persécuter Basile. Mais on ne lui faisait rien, il s'est juste mis à crier sans raison. Ouais, mon œil! Et pourquoi je devrais te croire? C'est la vérité, arrête de nous faire la morale, tocard! Allez les gars, assurons-nous que ce soit la dernière fois que ces deux-là nous dérangent. Ça me va. Je te suis le marginal. À 5 contre 2, je pense pas que ça va se fight. Si. Régons ça une bonne fois pour toutes, Kel. Si William et toi cherchez la bagarre avec nous, eh bien vous allez la trouver. Allez les gars, donnons-leur une bonne leçon. Ils sont 6. Oh le gang! Ah ok, je pense que je vais prendre pas gagner de fait que. Je veux dire, parce que factuellement. On peut pas faire grand chose dans ce genre de machin, mais. Je peux me concentrer, I guess. Ah, c'est un seul stack de gens. Et voilà. Ouch. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va peut-être pas gagner. Lala. Mais je crois que c'est le genre de combat qui n'a aucun impact, super. Donc vous savez quoi, j'ai juste pex le bouton attaque, on verra bien ce qui se passe. Je crois que si tu perds le combat, il n'y a pas de downside. Mais je vois, ils sont 6 contre 2 quoi, un moment les gars! Et j'ai pas mon knife! J'ai vu comme Kel se fait agresser H24. Rip Kel! Au revoir petit! Et oui, Kel a pris ton couteau à steak. Ouais, bah Kel, c'est un connard! Rends-moi mon couteau! Comment je coupe des steaks sinon? Moi je peux pas. Je peux pas couper des steaks dans les gens. That's so bad. C'est ça la vraie vie. Nous avons gagné, maître. Nous avons gagné. Ouha. Bien fait pour vous, les bolosses. Kim, j'ai faim. Allons chercher un truc à manger. Hé, Kel, William, j'ai le camp d'ici. Oh, I'm dead. Ben, I'm dead. Waouh, on l'a vraiment fait! Les ennemis maléfiques ont été vaincus! Bon sang. Désolé, William.
Pourquoi j'ai cru qu'on pouvait affronter 6 personnes en même temps? J'avoue que c'est complètement con. Même si c'est une bande de cassos. Oh! Hey man. C'est fini, Kel. Partez d'ici. Vous n'avez plus votre place ici. Non! Je reste! Je peux pas partir d'ici après avoir vu la personne que tu es devenue. Je veux dire, qu'est-ce que Marie en penserait? Pourquoi tu la remets toujours sur le tapis? Combien de fois je dois te le répéter? Marie est morte! Tu peux arrêter avec ça? Et bon que tu es, arrête de jouer les durs! J'arrive pas à te croire lorsque tu dis que tu tiens plus à nous. T'as tous tes nouveaux amis maintenant. Mais tu traînes toujours dans notre ancien repère. J'ai vraiment besoin de te faire un dessin? N'y écoute pas, Aubry. Il dit n'importe quoi, comme d'habitude. Pas vrai, Aubry? There got some issue. Pff. C'est plus drôle. Je veux rentrer à la maison. Ouha! Partons d'ici. Tu l'as dit. Issue. Gênant. Viens, Aubry. Oh, ok. À plus tard, alors. C'est parce que Basile, c'est un dumbass. Oh, shit, le cadavre. Aubry. Arg. Arg. Pourquoi? Pourquoi vous n'arrêtez pas de revenir? Je veux juste que vous me laissiez tranquille. William, pourquoi? Pourquoi tu réapparais maintenant? Issue. M'engouille la petite sonnette de la trottinette. Bing bing. Il est mort. Il s'est fait tuer. On veut juste que t'arrêtes d'embêter Basile. C'est quoi ton problème avec lui tout d'un coup? On était amis. On était tous amis. Tu penses que je suis la brute? Mais vous aussi vous êtes perturbé. Où est-ce que vous étiez lorsque Marie est morte? Où est-ce que vous étiez? Et toi? Tu es le pire d'entre tous, Basile. Comment oses-tu encore te montrer à ce que tu as fait? Ouais, c'est vrai, t'as tué Marie quand même, hein. Aubry, je... Laisse-moi tranquille! Yo-ho! Et il ne savait pas nager, et il est mort. Bordel! Mais Aubry, qu'est-ce que t'as fait? Basile est un dumbass, il sait pas nager, même s'il a 15 ans! T'es allé beaucoup trop loin! Attendez, attendez, c'est pas ce que je... William, t'occupe pas d'Aubry, je vais m'occuper! Je vais l'occuper, va sauver Basile! Gwenny? Chat, encore une fois, j'ai besoin de votre aide! Vous êtes les seules personnes rationnelles ici, donc... La question se pose! Voulez-vous sauver Basile? Chat, est-ce que Basile a de l'importance pour vous? Voulez-vous sauver Basile, chat? À vous de voir, vous choisissez. 2 votes pour oui, 3 votes pour oui. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui soutiennent la thèse que Basile ne devrait pas mourir. Faut le sauver même si c'est un humain comme un autre. C'est quoi cette façon de dire la chose? 4 votes pour oui, j'ai l'impression que beaucoup de gens soutiennent la thèse que Basile devrait survivre. Et non pas se faire destroy par de l'eau. Damage water. C'est scripté. Alors, comme dit, j'ai pas joué au jeu avant. Donc, je sais qu'il y a des endroits où tu peux dire non et ça aura un vrai impact. Donc, je laisse le choix. 5 votes pour oui, j'ai vraiment l'impression que... L'entièreté de... 6 votes pour oui, j'ai vraiment l'impression que chat veut vraiment sauver Basile. Étonnant. Est-ce que vous pensez qu'il meurt si je reste genre 2 minutes sur ce menu? Il étouffe. No génocide road. Chat, c'est vous qui décidez. Comme dit, je vous laisse le choix. 6 personnes veulent qu'on le sauve, et vous savez quoi, je respecte le fait de sauver Basile. Tout comme je respecte le fait de le laisser mourir. À un moment, gros, si tu sais pas nager, ratio. Ça s'appelle, on a... C'est du darwinisme, hein, c'est... Sélection naturelle. Écoutez la petite musique, ça me... Petit truc ASMR là. Petit son là. On se croirait au fond d'un...
d'un bateau qui est genre bien sous l'eau, c'est un truc genre un sous-marin, on se voit dans un sous-marin. Ok, bon, je pars du principe que vu le nombre de oui, même si le vote n'est pas tout à fait fini, je pars du principe que vous avez tous dit oui, mais il y a 6 votes pour oui, 0 pour non. Soyons basés. Mais il était déjà mort. He was dead. Oh la langue. Ah oui, bah oui, on est dans notre maison sous l'eau. Parce que tout le monde sait que sous l'eau, il y a notre maison. Sous l'eau. Et j'ai pas envie de me stab. Bad game. Can't stab myself. Fuck this. I'm going home. Oh. Nope. Je déconne. Yo Marie, what up? Marie, 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 Marie. Marie? Marie, ça c'est bâtard. Tu me regardes et tu te retournes. Marie? Vous contrôlez maintenant Marie. Mise à jour obtenue. Vous êtes Marie. Allons-y Marie. C'est parti les amis. Nous allons nous stabber. Je sais qu'on peut y arriver. Où allons-nous? En enfer! Oh merde, non. Non Marie, je suis désolé. Don't kill me. J'ai fini le jeu mardi, j'ai fait une saison de 9h de suite pour le finir. Nice dude. Marie, ah! Marie, encore et allez, out of bound. Classique, Marie. Mais enlève la musique, ça enlève tout. De quoi tu parles? Oh, stabbing. It's stabbing time. It's stabbing time. Non, la musique! Vas-y, Marie, c'est Farux, quoi. On s'est fait cancel. Notre musique, best musique, s'est fait cancel. Oh, tutoriel man! Tutoriel man! Tutoriel, man, my best friend. Quelque chose te tire vers le bas. Hey, I'm tutoriel man, what's up? Today, I'm gonna tell you how to survive. Donc je suis apeuré. Calme-toi, man. Mais ça régène, mais je suis sur As, mon chemin. Oh, j'ai plus d'émotion, c'est bon. Calme les battements de ton cœur. I'm tutorial man. Don't be afraid. I'm your friend. N'aie pas peur. Ce n'est pas aussi effrayant que tu le penses. Mais je le pense pas, moi. Moi, je pense que tout va bien et qu'on est trop best friend. Hey. Tu dois persévérer. N'abandonne pas. Qu'importe à quel point, ça a l'air impossible. Tu atteins la voie et tu te souviens de comment persévérer. Merci, tutoriel man. Grâce à toi, je peux... persévérer, les cœurs ne peuvent pas atteindre zéro pour le tour. What? On peut être invincible. Can be invincible. William persévère. L'entrée de William dans différentes actions. Bon, je me soigne. Persévère, mon ami. Jamais. Oh, c'est peut-être ça qu'il faut faire. William persévère. Et il find a tell. Nanananana. Je persévère. Et je mange de la terre. Et je persévère.
et je persévère. Et nanana. Persévère. Et je persévère. Trouve le cadavre de Basile et le ramène chez moi pour l'autopsie. Comme j'ai faim. What? I'm dead. I'm dead, man! Man, I'm dead. Man, I'm dead. Man. Et je persévère. Et je mange la tête. J'ai pour le 15, maintenant le bot annonce ça quand tout le monde le vole. That's pretty neat. Oh, on se réveille sur Koh-Lanta. Koh-Lanta! T'as un visage de psychopathe. What the fuck? Tes yeux sont des yeux de psychopathe. Tu me fais peur. Et je persévère. Et je ne suis pas mort. Héros est un psychopathe. Et je vais le tuer. On dirait que la respiration de Basile est stable. Mais on doit l'amener dans un endroit chaud et vite. Et je porte Basile. Ouais, il a une dure journée. Tu crois? Ramenons-le chez lui au plus vite. Attendez! Où est-ce que vous pensez aller? Ça suffit! Tu penses. C'est pour ça que t'as déjà causé assez d'ennuis comme ça? Allez, les gars, on y va! Et je persévère. Et je. Et on dirait que la respiration de Basile est stable, on devrait que le ramener chez lui. Mais deux, je parlais au nounours! Not pog enough. Nice. Passe sa journée, sortir dehors, aller dans l'ancien repère, pleurer, parler à Aubrey, se noyer, se faire sauver par héros, et la suite c'est du spoil. Pourquoi tu veux spoil? Oh. Welcome back to Animal Crossing. I'm going back at home. Yeah man. Yeah man. Je sais plus où il habite. Tout ça je rigole. Menteur. Basile! Que s'est-il passé? Bah il est mort noyé. Est-ce qu'il va bien? Non! Il a arrêté de respirer pendant 8 minutes. Décès cérébral! LOL! Sa respiration est stable. Faut juste changer ses habits, hein, Licho. Tu n'es pas médecin. Ok, je peux m'en occuper. Tu n'es pas médecin? Vite, entrez! Tu n'es toujours pas médecin. Let's go, Luton, on n'a peut-être pas entendu. Let's go! Vous pouvez m'aider à le transporter dans sa chambre? Bien sûr. Youh, c'était intense. J'espère que Basile va bientôt se réveiller. Non. He's dead, man. William, allons voir comment va Basile. Oh, parce qu'en plus, il faut aller voir comment il va. He's dead, man. J'ai besoin de faire 8 ans de médecine pour savoir ça. Oh, la grand-mère. Yo, grand-mère. Mais oui, Basile respire de manière régulière. Pas comme son petit-fils. Yo, attends, on va sortir dans le miroir. Yo, miroir, man. Oh! Ouais, ouais. Ah. Hey, Kel. Hey, William. On dirait que tout ira bien pour Basile. On m'a dit que Basile avait disparu et que vous étiez parti à sa recherche. Non, en fait, je croyais qu'il y avait pas qu'elle dans le miroir, mais en fait, il me suivait pas aux chiottes. Dommage, je croyais qu'il voulait me voir pisser, mais... Ah, j'ai entendu de l'agitation venant de notre père. Je suppose que je suis arrivé pile à temps. Un petit peu en retard, du coup, non, plutôt. Alors, qu'est-ce qui se passait, là-bas? Aubry, elle a poussé Basile dans le lac. Quoi? C'était Aubry, là-bas? Impossible, elle n'aurait jamais fait ça à Basile. Je suis sûr que c'était une sorte de malentendu. C'est plus la même, héros. Merci pour le clip, Nadia. Elle a mal tourné depuis que t'es parti à l'université. Aubrey. Que s'est-il passé pendant que j'étais pas là? Drama. Peut-être que je n'aurais jamais dû partir. C'est pas de ta faute si tout ça s'est passé. Les choses auraient pu vraiment empirer si tu n'étais pas arrivé. T'as fait tout ce que t'as pu. Allez, rentre à la maison. Let's go. Let's get back to my home. I'm gonna play Minecraft. Tu sais, William, t'étais plutôt génial là-bas. J'ai l'air même sans ton couteau. Le couteau steak. En sautant dans le lac pour sauver Basile comme ça.
Même si c'est Hero qui a fini par sauver la mise, je pense que tu méritais un peu de reconnaissance toi aussi. T'as failli te noyer tout seul. Ça te tient, top là ? Chat, encore une fois, j'ai besoin de votre aide. Chat, comment pourrais-je faire une décision sans votre opinion très importante ? Est-ce que Kel mérite un top là ? Je rappelle, dans le lore, j'ai déjà pas fait un top là une fois à Kel. Et j'ai gagné un achievement Steam, donc la question c'est... Deuxième achievement Steam ? Maybe ? Don't know ? J'ai déjà eu l'achievement, donc est-ce qu'il y en a un autre ? Donc il y a un non, on a un non, un oui. On a deux oui, un non. On a deux oui, deux non. Méripa, il a pris ton couteau à steak. J'avoue que si je devais faire la plaidoirie de Kel, il a piqué mon couteau à steak. C'est un dumbass. Il veut pas que j'aille chez lui avant qu'il me dise qu'il veut bien que j'aille chez lui. Dans le côté bon de Kel, il a plein de trophées, donc GG. Il écoute Party Rock and Roll Tonight chez lui, donc c'est quand même stylé. Il est pas méchant. C'est l'un des persos les moins relous. Voilà. À vous de voir, chat. Je voulais choisir 3 noms, 2 oui. Chat, tout peut encore être renversé. Vous voulez qu'on ne le fasse pas un top 1. À vous de voir. Je voulais choisir, chat. Dans 3 minutes, c'est l'event. Il est 34. De quoi tu parles ? Vous voulez vraiment pas qu'on lui fasse un top 1, chat ? Vous voulez vraiment qu'il pleure ? Vous voulez que Kel pleure ? Il veut me la toper alors que j'ai failli me noyer. Damn. Non, il pleure. Chat, à vous de voir hein, si vous voulez que je fasse non. Hein. Oh, égalité ! Égalité, chat ! What the fuck ? Égalité ? Égalité ? Je ne sais pas qui faire, je ne sais pas ! Chat ! Cassez cette égalité ! Cassez cette égalité, chat ! 4 pour oui ! 4 pour lui ! On a 4 pour oui, 3 pour non ! Aïe, 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 aïe ! 5 pour oui, 3 pour non ! Je crois que le top là va gagner, chat. Je crois que finalement, Kel va gagner un top là. Kel a gagné un top là. C'est parti. Merci Kipé d'avoir financé 1000 de plus. Même si c'était pas nécessaire du coup, parce que j'aurais eu 4-3. Let's go! Achievement! Up high! Bien joué, chat, vous avez trouvé le bon choix. Il y avait un achievement. Ah oui, il y avait un achievement si tu le topais et si tu le topais pas. Donc, let's go! Achievement, chat! Faut y aller? Bien joué, tu ne t'es pas noyé! Nice! J'ai eu 100, mais c'est pas 1000, mais c'est pas grave, c'est pour dire oui. Kikipé est un chat, il a compris. Wait, what? Je ressens une présence maléfique venant de chez moi. Peut-être que je réfléchis trop. Mais on n'est jamais trop prudent. Yo! Oh my god. La secte? Oh my fucking god. Je suis dans la secte. C'est la secte des poubeliers, non? Oh my fucking... Oh no. Oh no. Oh no. Ouh, du pain. Oh yes! Un peu par ici. Jésus. Jésus dit Nick. Sur mon côté, j'ai fait avancer l'adaptation du patch FR au Game Pass console avec son moteur différent. Ah, nice, dude. Bon, elle est où la pièce où il y a du sang et des morts? Oh, vraiment? On nous fait pas le coup du. They hold bad. Par contre. Hey. What the fuck? Des figures encore autour d'une paire de jumeaux, il y a quelque chose de coincé derrière. What the fuck? Ouvre une note. Il semble que nous sommes portés disparus. On n'a pas pu aller bien loin. Trouve-nous, cher petit frère. C'est Daphné et Bowen, ta soeur et ton frère et moi.
What? Tu ouvres les rideaux et trouves des figures en carton. Il y a une note derrière. Tu pensais qu'on avait acheté qu'une seule figure en carton de nous? Ça serait bien moins rentable. Une note. Oh, on dirait que ta piste s'est refroidie. Comme c'est malheureux. What? Oh my god. Ok, on va les trouver. Que j'ai été abonné à un Fury alors que je suis pas follow, mec, putain. Le marrant. Oh. Des oreilles confortables. Il y en a derrière. C'est le plus vieux tour du monde. Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé dans le panneau. Regarde sous le lit. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. Y a un chat. What the fuck? Ouais, des statues! Derrière la statue. C'est pas la statue directement? Les armoires. Tu les portes de l'armoire. Tu n'as rien trouvé d'intéressant. What the fuck? Où est-ce qu'ils sont? Les Fury Mode, no way. Where? Where? Je vous trouverai! Ok, 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 on va étendre nos recherches. On va étendre nos recherches. Ça se trouve, ils sont genre sous la table. Dehors, sinon. Un cadet comiquement large, mystérieux, apparaît. What? Je suis Keblo dans la maison. Je trouve un bouton caché, c'est probablement mieux de l'ignorer. Quoi? Non, non, non. What? Why? Ok, rappelle-toi du bouton, ça se trouve, il sert à quelque chose pour plus tard. Enfin, pourquoi t'es rentré? Je me suis fait Keblo par des psychopathes! Man! What the fuck? Where? Backseat? Non. Shut up. Tu sais que c'est facile de sortir d'ici avant 19h45. Ah non, bah, et tu te sérieuses, vas-y, vas-y, c'est parti. Je peux le faire en pôle? Oh, vas-y, 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 je le mets en prête, je le mets en prête, je le mets en prête. Je le mets en prédiction. Oui. Non. Je vais en prédiction. Ok, 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 faut que je réfléchisse tout le coup. Ok. Sous l'escalier. Non. J'ai que 5 du coup pour prédire, mais. Pas grave. Tu voulais pas faire la prédiction? Je trouve ça drôle, je trouve que c'était une bonne prédiction. Where? Oh my god! Ah, si, c'est prédit. Ok. Mais vraiment, c'est pas. Le feu! J'ai trouvé un interrupteur caché. Mieux de laisser. Why? Y'a un délire ici.
Y'a un DV dans cette pièce. What the fuck? Il est 42, chat, j'ai 3 minutes. Ils sont dans mes poches. Ça n'a aucun sens, c'est la vraie vie. Les chaises? C'est sous les chaises? Non, il peut rien dire aux chaises. Merde. Je vois pas où est-ce qu'ils peuvent se cacher. Il y a littéralement zéro planque dans cette maison. Where? What the fuck? Jésus? Quand vous vous cachez? Ah, oh, c'est pas possible. On trouve tout sauf ce qu'on cherche. Il 44, t'es... J'ai déjà checké. Je vois pas. Je vois pas où est-ce que tu peux planquer. Legit. À moins qu'il y ait une pièce cachée quelque part. Non, sérieusement, où est-ce que c'est possible? Finir ces 7. Quoi? Spam la porte. Let me out! C'est dead. Ouais, il est 45, ok. Fuck, ok, attendez. Je veux bien un backseat. C'est où la sortie, dude? Parce que là, je vais devoir. J'ai l'event juste après, donc. J'ai pas trop le temps en fait, il faut que j'accède une sauvegarde rapidement. Donc vas-y, j'accepte le backseat là. Donc si vous voulez me dire où est-ce que je dois regarder, je suis preneur. C'est dans un lit? What? Mais j'ai fouillé tous les lits. J'ai legit fouillé tous les lits. Pas très rentable ce vol, pas très rentable en effet. Sur deux lits. À droite du lit en bas. J'ai pas accès de mon fou. À droite du lit en bas. Le lit en bas. Quel lit en bas? C'est quoi l'event? Goose Goose Duck. Quel lit en bas? What? Le lit qui est là? À gauche de l'escalier. Le big? Wait, non, attends. Mais. Y'a rien que je vous raconter. Dans la chambre en bas? Quelle chambre en bas? Wait. Oh putain! Bouh! Haha! On t'a bien eu, pas vrai? Et attends une seconde! Tu n'es pas notre petit frère chéri? Notre petit frère est trop cool pour nous maintenant, pas vrai Bowen? Non, attends, je l'en fais. Notre petit frère est trop cool pour nous maintenant, pas vrai Bowen? Il a même pas eu le temps pour jouer à des jeux avec sa fratrie. Oui Daphné, c'est vraiment regrettable. J'aime bien ça. On a presque plus de temps hors du travail. Et quand on en a, petit Michael n'est jamais là pour jouer avec nous. C'est injuste, pas vrai Bowen? La vie est si cruelle. Bah c'est pas grave, on a de nouveaux amis maintenant. Cependant, je ne suis pas exactement sûr de ce qu'ils font. Divertissez-nous, chers amis. Oui, divertissez-nous. Oh, vous n'avez rien. C'est dommage. Eh bien, c'était bien marrant, mais on s'ennuyait assez facilement. Bien, mon frère. Pensons à d'autres jeux amusants auxquels jouer. Au revoir, nouveaux amis. Cela fut plaisant.
J'ai rien gagné dans cette interaction. Incroyable. J'ai gagné une petite sonnerie. Par contre, attendez. So. Ouais, quoi ? Mais. Les boutons ? Pourquoi elle parlait de boutons ? Pourquoi elle parlait de boutons secrets ? Y'a un truc là-dedans, y'a un truc très très sus ici. Je sais pas ce qui se passe ici, mais y'a un truc très très sus. Et merci Nagito Farux et Kikipé de financer la commerce communautaire, vous êtes des chats. Question de la baraque maintenant, MDR. Oui, c'est bon, c'est bon. Cette baraque est hantée, t'avais raison. Ah, tu as donc conquis le grand mal. Qu'est-ce que ça t'a coûté? J'ai pas encore voir la douleur dans tes yeux. Pff, mon frère et ma soeur sont de vraies plaies, n'est-ce pas? Tout le monde ici est pareil. C'est ça. Bon allez hop, je vais prendre une sauvegarde et colite pour ce soir. Vu que là on va jouer Goose Goose Duck, un jeu gratuit, comme Among Us, qui est disponible sur PC et téléphone, donc n'hésitez pas à venir, ça va être très sympatoche. Et on continuera Omori la semaine prochaine. Yes! Je vais faire une micro-pause, du coup je reviens dans une dizaine de minutes pour le jeu. A tout de suite.